Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce cinquième épisode de Let's Play sur Epitasis. Alors, on reprend, on a toutes nos formes. Il nous manque un cube pour créer le gros cube, mais je sais pas à quoi ça va servir, donc tant pis, on verra bien si on sait revenir ou pas, si on l'aura plus tard. D'accord. Alors, petit succès Apex. Ne dites pas que c'est déjà la fin et que ça ne va pas durer très longtemps. Donc. Hop. Oui. D'accord. Je ne sais pas ce que j'active. Comme je ne sais pas lire. D'accord, mais c'était pour mettre le pont. Ah, j'hésite, j'hésite. Je sens que c'est la fin. Peut-être qu'il y aura encore une énigme. D'accord. Donc là, on se laisse porter. Tiens, c'est pas la même planète en fait que. Vu qu'on voit plus le gros soleil rouge, la géante rouge. Mais qu'on a ici une gazeuse verte à la place. Ok. Alors, on y est. Hop. Forcément, j'étais trop lent. Je vais les ramener loin, loin, loin. Yep. Voilà, comme ça j'ai le temps d'aller appuyer sur ce bouton à la con. Ok. On esquive les drones. On peut aller à la porte. Ok, ça ferme celle-là, c'est un sas. Et ça ouvre celle-là. Au moins les drones ne savent plus venir. Mais peut-être qu'il y en a plus. D'accord. Donc ça c'est pour un ascenseur pour aller en haut de la tour, j'imagine. Hein. On est là pour ça. Ah non, c'est juste un rayon. Hop. D'accord. Ouais, c'est un concept spécial. Bien cube à prendre. Un bouton là-bas.
Ok. Comme j'ai pris le cube avec, je savais pas s'il fallait, donc j'ai préféré. Alors, par ici. Ouais, je pense qu'il fallait. Bah, quoi qu'il y avait un cube là, donc non. Deuxième bouton à appuyer. C'est bon. Voilà. Ok, ça monte. Là, encore une énigme là. Alors je vois qu'il y a un bouton. Ah mince, il y a des champs de force. Là, il faut. Ok, ça fait que il y a comme ça. Jusque là, le champ de force ici est désactivé, ce qui fait que ben je peux mettre un cube, le laser qui va là, donc ce champ de force là aussi est désactivé. Voilà, et très bien. Et on est en haut. Ok, bon bah c'est la fin. J'ai pas eu le 8e cube, mais tant pis. Merci d'avoir joué, Epitasis. Bon. Ben voilà, ça n'a pas duré très longtemps pour le dernier épisode. Tant pis. D'accord, donc là on va laisser le générique. Donc voilà, c'était un petit jeu fait par Panda Studio. Donc ça c'était en attendant la suite, puisque là normalement si tout va bien on va pouvoir bientôt ben, refaire un gros jeu que j'attends, qui parle de peste. Mais on verra ça en temps et en heure. Si ça ne va pas, si je n'arrive pas à l'avoir assez tôt, eh bien on fera autre chose en attendant. J'ai bien une ou deux petites idées, du genre, il y a un DLC de Two Point Hospital qui est sorti.
Franchement, quand on regarde pas de trop près, c'est vraiment pas dégueu comme décor, hein. Mais quand on regarde de près, on se dit, ah ouais, c'est quand même du Lopoli et compagnie, c'est pas terrible, terrible. Mais de loin, franchement, les décors donnent très bien. Alors ça m'embête un peu de pas avoir trouvé le dernier cube. Mais ça, ben voilà, c'est le jeu. Fallait que je cherche un peu mieux pour le trouver. Peut-être que je suis passé juste à côté sans le voir. Hein. Donc là, tous les Kickstarter et compagnie, bien entendu. On va pas dire qu'on s'en fiche vraiment, mais voilà, c'est pas. Ouais, et on ne peut pas passer, donc on est obligé de se les taper. Heureusement, c'est dans l'ordre alphabétique, on est déjà dans l'épée. Donc Epitasis, c'est un petit jeu à moins de 15 euros sur Steam. Pour ceux qui voudraient l'essayer. C'est dans l'ordre alphabétique des prénoms. Hein. Ok, on est dans les Z. Enfin, dans les J et dans les Z. C'est ça que je devrais dire. Oh, ça c'est bien à savoir. Donc freesound.org et tout ça pour les sons. Ça peut être intéressant. Et donc on se retrouve de retour. Au départ. Bon, bah très bien. On a fini. Donc là, on va s'arrêter et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, si vous avez apprécié la fin, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres let's play. Et surtout, portez-vous bien. Bye!